à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce que ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. C'est une rhétorique antisémite classique. Est-ce que quand on parle d'un, pardon de l'exploit du raccourci, un petit arabe en banlieue, en disant qu'il a des propos antisémites, c'est facile? Et là, on parle d'un ancien Premier ministre de la France, et on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment, vraiment dire. À force de vouloir limiter la capacité qu'on a à s'exprimer, à force de ne plus pouvoir rien dire sur les plateaux, sous prétexte que ça pourrait signifier ou gêner, à force de traquer toutes les formes de pensée qui peuvent évidemment porter ombrage à une stratégie ou à une politique, eh bien on devient ce qu'on est en train de devenir, c'est-à-dire un très petit pays. Et la justice, elle passe par l'ouverture d'une solution politique aux Palestiniens. Benjamin Netanyahou mène une guerre pour tout faire, pour que la solution politique ne vienne pas sur la table.